Je m'appelle Aurélie Ouzoun, j'ai 33 ans. Le magasin Véloland existe depuis décembre 2007. J'ai été embauchée en tant que vendeuse cycle. Et donc, dès 3 ans, mon patron m'a proposé la place de responsable de magasin, ce que j'ai accepté. Et une année plus tard, il souhaitait fermer le magasin et donc m'a proposé la reprise. Donc, j'ai fait des prévisions, tout ça. Et donc, je me suis lancée avec l'aide de plusieurs personnes. Et le magasin a ouvert le 1er octobre 2011. Véloland, en fait, c'est une coopérative. Donc, en fait, on est tous des patrons indépendants. Et donc, on fait partie de la plus grande centrale d'achat d'Europe qui s'appelle ZEG et sur lesquelles on se fournit les produits. J'ai connu Norizia Initiative de deux façons différentes. Donc, la première, on nous en a parlé à la journée découverte de la CCI. Et la deuxième, c'est donc ma banquière, Madame Girin, de la Banque Populaire, qui m'a conseillé d'aller les voir. En partenariat avec Norizia Initiative, c'est vrai que lorsqu'on a des créateurs d'entreprise, notre but, c'est quand même de les diriger vers la plateforme Norizia Initiative. Ce qui est important, c'est vrai que répondre aux besoins du créateur lorsqu'il vient pour nous demander son prêt, bien évidemment, mais après, c'est un partenariat tout au long de son existence en tant qu'entreprise. Cette collaboration se concrétise avec une convention que nous avons signée avec Norizia Initiative dans le cadre de l'accompagnement des créateurs d'entreprise. Et de ce fait, eh bien, nous avons des contacts très très fréquents avec Norizia Initiative. Nous participons au conseil d'administration. Et certains de nos collaborateurs assistent et participent au comité d'engagement. Nous sommes allés au-delà de cette convention. Nous avons contribué au financement d'un nouvel outil qui va permettre aux créateurs d'entreprises, par le renseignement de 3-4 indicateurs, d'obtenir un véritable tableau de bord de son activité. À partir de ce moment-là, la plateforme Norizia Initiative va pouvoir recueillir ces éléments-là et apporter son accompagnement en post-création au créateur pour lui assurer le développement le plus harmonieux possible. Madame Musin bénéficie de différents outils, donc l'outil OSE dont on a parlé, également la possibilité de venir au club des entrepreneurs financés. Donc c'est une rencontre entre entrepreneurs financés de Norizia Initiative qui a lieu donc de manière régulière avec des endroits différents. C'est l'occasion de se retrouver entre chefs d'entreprise donc pour discuter de problématiques communes. C'est également se faire connaître et connaître les autres, donc créer du réseau, et également de pouvoir s'informer puisque nous faisons intervenir des consultants sur une thématique précise qui est demandée par les créateurs. Par exemple, ça peut être la communication, le RSI, les aspects plus de comptabilité et de gestion. Ce que je conseille aux jeunes créatrices, c'est de s'entourer de gens d'expérience, de profiter de Norizia Initiative, de leur expérience, de leur apport. Ils approfondissent vraiment les choses. Voilà, de s'accrocher et puis vraiment d'aller au bout parce que c'est merveilleux. Voilà.